Ok les amis, donc j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo-là, mais voilà, je vais vous expliquer à quoi sert votre zone membre, comment naviguer sur votre zone membre et vraiment comment comprendre vraiment toute votre zone membre. Donc, toutes les vidéos vont être importantes puisqu'elles vont vous permettre de pouvoir prouver tout simplement vos gains, comment savoir comment brancher le robot pour certains. Voilà, on va vraiment mettre pas mal d'informations dans soit une grosse vidéo que je vais vous faire tout de suite, soit je vais vous faire plusieurs vidéos, d'accord les amis? Comme ça vous permettra de pouvoir regarder seulement ce que vous voulez ou re-regarder seulement ce que vous voulez. Dans tous les cas, ce que je ferai, c'est que je ferai, voilà, si je fais une grosse vidéo directement, je vais vous faire une vidéo où je vous mettrai au niveau des minutes, ok? Je vous mettrai au niveau des minutes quelle info il y a directement sur votre mur. Ok les amis, donc ça va être très simple, on va commencer directement. Donc là, vous êtes dans votre zone membre, ok? Vous êtes dans votre zone membre Notorious. Vous êtes dans votre zone membre notoriousrobinhoodbot.com. Peu importe que vous ayez choisi Robinhoodbot ou vous ayez choisi El Professeur, les amis. Okay, peu importe. Ce qui va se passer, c'est que c'est très très simple. Vous allez avoir tous les mêmes informations et c'est ça qui est super. Donc, très simple à propos. Je pense que là, je n'ai pas besoin d'expliquer tant que ça. Ça va être tout simplement toutes vos informations personnelles. Okay, tout ce que vous avez renseigné quand vous vous êtes inscrit. Bon, on ne s'arrête pas sur les informations, les amis, ok? Et on ne fait pas la même chose. Voilà. C'était tout simplement une inscription pour pouvoir vous montrer tout ça. Donc, voilà. À propos, ça va être très très simple. Ça va être toutes vos informations personnelles. Ok, les amis, ça va être toutes vos informations personnelles. Groupe, ça va être très simple aussi. Ça va être tout simplement les différents services sur lesquels vous êtes. Si vous êtes sur El Professeur, vous avez le groupe El Professeur. Si vous êtes sur Robinhood, vous avez le groupe Robinhood. Par contre, je vais mettre un petit temps d'arrêt là-dessus au niveau des groupes parce que c'est vraiment important. C'est là-dessus que vous allez pouvoir voir les nouvelles vidéos qui vont être publiées, les nouvelles informations qui vont être publiées, toutes infos qui vont être publiées en fait par rapport au service que vous suivez. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir regarder, checker ça assez souvent si possible. Donc, essayez de checker ça une à deux fois par semaine parce qu'il y aura souvent des informations. Très simple, vous êtes dans le groupe, les amis, comment on fait? Vous cliquez sur El Professeur, vous cliquez sur Robinhood, peu importe quel service vous êtes, et ça va vous permettre de voir un petit peu toutes les informations qu'il y a. Donc là, vous n'allez pas le voir directement, mais ce qui n'est rien tout de suite, mais je vais vous expliquer. Hop, là, vous êtes dans le groupe El Professeur. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le mur, d'accord? C'est ce qu'on va appeler le mur. Et là-dessus, il n'y a que moi et Marwan qui allons pouvoir vous écrire, d'accord, les amis? Ça va nous permettre de pouvoir communiquer avec vous, de pouvoir vous mettre les bonnes informations et surtout pour vous publier toutes les vidéos là qui sont en train d'être tournées, etc. Vous tenir au courant en fait. Donc vous serez notifié par mail, hein, bien sûr. Mais vous ne pourrez pas, vous ne pourrez tout simplement pas écrire quelque chose dans ce blog-là, les amis, d'accord? Dans ce mur, ok? C'est ce qu'on va appeler le mur, d'accord? C'est le mur de El Professeur. Avec Marwan, on va vous écrire toutes les informations que vous aurez besoin. On va vous écrire toutes les nouveautés. Ok, pareil, on vous tient au courant des lives ici directement. C'est vraiment top ce système-là. Ça vous permet de pouvoir tout suivre, les amis. C'est important de regarder ça. D'accord? Vous allez comprendre derrière. Donc, on peut regarder aussi pour Robinhood, hein, si vous voulez. C'est exactement la même chose, hein, c'est le même mur. Donc, pour ceux qui sont sur El Professeur et Robinhood, bah, faudra checker les deux, les amis, parce qu'il y aura des choses différentes au niveau des deux services par la suite. Voilà, nous, on a juste à, voilà, écrire un petit post. Même si vous, vous essayez d'en écrire un, les amis, il ne sera pas publié malheureusement. Je vous le dis à l'avance pour les Malinois. Hop. Ensuite, on a blog, mais au niveau du blog, je vais préférer le sauter, les amis. D'accord? Je vais rapidement vous expliquer au niveau du blog. Le blog, en fait, ça va vous permettre à vous de pouvoir tout simplement communiquer avec nous. Communiquer avec nous et vous allez utiliser le blog pour pas mal de choses. Mais on va y revenir juste derrière. Ensuite, notification, ben, là, ça va vous notifier directement des nouvelles choses, etc., des choses qui se passent. Paramètres, ça va vous permettre de changer toutes vos informations perso. Donc, ça vous permet de changer les détails de votre compte, mot de passe, voilà. Vous pouvez tout changer là-dedans directement, les amis, d'accord? Ensuite, newsletter, c'est quelque chose qui est en place pour le moment, d'accord? Et vous n'avez pas encore de newsletter ou de choses envoyées, mais c'est quelque chose qui va arriver. Par la suite, vous allez avoir autre chose qui va être ici, DocuSign, ok? Ça va vous permettre de pouvoir signer tout simplement votre contrat de redevance 20%. Donc, pour le moment, il n'y a pas de vidéo par rapport à ça, il n'y a pas d'explication tout de suite par rapport à ça, car j'essaie de vous mettre en fait un système automatique qui va vous permettre
derrière de pouvoir signer soit votre contrat directement d'ici, soit de, en un seul clic, finir sur DocuSign et pouvoir signer votre contrat, les amis. D'accord ? Ce sera quelque chose d'obligatoire aussi. Hein. Il faudra absolument remplir ce contrat-là. Si vous êtes sur les deux services, ben, vous aurez bien évidemment deux contrats à signer, les amis. Voilà. Voilà, voilà au niveau de la zone membre. Vous l'avez vu, vous pouvez mettre à jour votre photo de profil, vous pouvez mettre une bannière, ok. Après, voilà, vous ne pouvez pas non plus envoyer des messages, etc. Ça, on pouvait mettre ce système-là, mais on ne l'a pas mis. On va revenir sur le blog. Vous allez comprendre pourquoi. Au niveau du blog, les amis, ça va être très simple. Au niveau du blog, vous allez avoir, ok, vous allez avoir tout simplement la possibilité de pouvoir nous renseigner. Ok, donc dans un premier temps, pour toutes les personnes qui veulent pouvoir donner leurs informations, ok, concernant février 2020, ça se passera dans le blog directement. Ok, vous aurez tout simplement à donner votre historique, que ce soit Vantage, que ce soit Admiral ou que ce soit tout simplement AvaTrade, c'est-à-dire historique depuis votre dépôt, ok, depuis votre premier dépôt, les amis, jusqu'au moment où ça s'est mal passé, tout simplement. D'accord ? Donc, vous aurez juste en fait à cliquer sur Nouveau billet de blog. Hop. Là, vous allez écrire. On va refaire. Ok les amis, donc du coup là on va voir plusieurs points, ok, je vais faire 2-3 vidéos différentes par rapport à ça, ça sera beaucoup mieux. On va parler du blog, ok, on va parler du blog, donc comme je vous l'ai dit, le blog il va vous servir tout simplement à pouvoir échanger avec nous directement, donc je vous rassure, personne ne voit ces informations là, aucun autre investisseur verront les informations du blog, il n'y a que vous et nous, ok. Donc au niveau du blog c'est très très simple les amis, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre dans un premier temps, pour toutes les personnes là, qui sont sur... qui ont vécu février 2020 et pouvoir déclarer en fait tout simplement ses pertes, d'accord, et aller chercher les 110%. Donc comment on fait? Ça va être très 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 simple les amis. On va cliquer sur nouveau billet de blog. Nouveau billet de blog. Dans le titre, vous allez mettre déclaration. Excusez-moi hein, si une petite faute sur le déclaration. Vous allez mettre déclaration. Tout simplement. Ok, déclaration 110%. Là, vous allez tout simplement mettre votre nom et nom. Somme déposée. Donc là, c'est très simple, vous allez mettre nom, prénom, ensuite vous allez mettre le dépôt, ok. Donc, combien s'élevait votre dépôt. Vous allez mettre en dessous ensuite tout simplement à combien a fini votre compte à la fin, ok. À combien a fini votre compte à la fin. Voilà. Et votre dépôt actuel. Et votre nouveau dépôt, en fait, pour récupérer ces 110%-là. Au niveau du taille, vous mettrez tout simplement 110%. Ok, les amis, 110%. Et ensuite, ça va être très simple. Vous faites choisir le fichier. Et là, vous allez nous envoyer tout simplement... Voilà, je vais prendre un exemple. On va aller sur le bureau, on va envoyer allez, un PDF, là. Hop. Et vous allez tout simplement envoyer, les amis, tout simplement... votre historique, ok, donc votre historique comme je vous l'ai dit, à partir du moment où vous avez déposé jusqu'à la date en fait où ça s'est mal passé, donc certains ont tout simplement donc réussi à limiter la casse et nous-mêmes avons réussi à limiter la casse pour pas mal de comptes au final, donc certaines personnes n'ont pas besoin de 110% mais d'un petit peu moins, donc c'est pour ça que c'est important vraiment de donner cet historique qui va montrer un petit peu ben, tous vos trades, que ce soit avant. Okay, que ce soit à partir du moment où vous avez branché un système jusqu'à la fin. Okay, c'est-à-dire que vos trades personnels qui ont été pris derrière pour essayer de tenter le tout pour le tout mais ne sont pas comptés avec les amis, ce qui est totalement logique et normal au final. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur « Contenu accessible à mes amis ».
et faire envoyer. Ok, donc là, vous êtes dans votre blog et je vais vous expliquer comment prouver vos gains du mois, ce qui va être très, très simple. Vous êtes dans le titre, vous écrivez « gains du mois ». Ensuite, là, vous allez mettre le dépôt, nom, prénom, comme tout à l'heure en fait, et gains du mois. Vous écrivez à côté, voilà, le dépôt de base, votre nom, prénom, le gain du mois, ok, le tag, vous allez écrire gain. Là, vous allez choisir le fichier, vous allez tout simplement prendre votre screen, ok, donc un screen MT4 qui va montrer votre gain mensuel, ok, qui va montrer le gain que vous avez pris au niveau du mois. Et vous allez prendre aussi en screen votre capital, ok, votre capital actuel. Donc c'est très simple, hein. Ce que vous faites, c'est que vous envoyez une première fois là directement votre gain, ok, le gain au niveau du mois. Et ensuite, derrière, vous envoyez une seconde fois. Du coup, vous n'avez pas besoin de renseigner d'informations ici. Hein. Pour la deuxième, vous allez vous envoyer deuxième photo gain. On le saura, il n'y a pas de souci. Et là, au niveau du tag, vous laissez gain et vous allez envoyer tout simplement en fait votre capital directement ici. Voilà. Si vous avez deux comptes, ben, vous envoyez tout simplement pour les deux comptes. Si vous en avez trois, même chose. Et ensuite, ben, comme tout à l'heure, vous faites envoyer. Et du coup, comme tout à l'heure, ce que vous faites, c'est que vous faites contenu accessible à moi uniquement et vous faites envoyer. Donc du coup, chaque mois, il faudra aller dans le blog, ok? Il faudra créer un nouveau billet qui permet de, voilà, de tout simplement prouver vos gains, d'accord? Par rapport à la redevance derrière qui est à payer et qui vous permettra aussi derrière de tout simplement nous dire un petit peu toutes les infos par rapport à ça. Ensuite, eh bien, ce que vous ferez, c'est que vous irez dans l'onglet qui n'est pas encore là, mais qui va être là dans la journée, sur lequel vous avez paiement en redevance. C'est-à-dire que dans cet onglet-là, vous aurez une explication de comment payer la redevance des 20% et vous aurez le RIB Société qui vous permet de le faire. C'est quelque chose qui va changer sur le futur, ok? Donc c'est pour ça que vous avez des vidéos assez simples là. Parce qu'au paiement de la au niveau du paiement de la redevance, c'est quelque chose qui va devenir automatique. Et là, vous allez avoir un petit onglet en plus où vous aurez un RIB et l'explication en fait de comment payer cette redevance-là.